Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Un stylo à la main. Aujourd'hui, je vous présente le Pen BBS 308. Le Pen BBS 308, comme la majorité des stylos Pen BBS, vient dans cette boîte noire et rouge. Pas de papier d'instruction par contre, puisque ce modèle est vraiment simple à utiliser. Et le voilà. Le Pen BBS 308 est une évolution du Pen BBS 266. C'est un stylo de forme classique en cigare. La finition ici est appelée neige. C'est un très joli mélange de blanc qui rappelle donc la neige. Le capuchon est équipé d'un clip très souple comme vous pouvez le voir. On a aussi un anneau sur le capuchon où l'on peut lire Pen BBS, quelques logos et un numéro 266. Comme je vous l'ai dit, le Pen BBS 308 est une évolution du 266 et Pen BBS ne s'est apparemment pas embêté à changer le numéro sur le capuchon. Donc ne paniquez pas, ceci est bien un 308 et non un 266. Le capuchon se dévisse pour révéler une très jolie plume médium décorée de flocons de neige. Le corps se dévisse également pour nous montrer un convertible propriétaire de chez Pen BBS, naturellement. On a un petit anneau en silicone ici qui permet en fait de remplir le stylo comme un compte-goutte, donc sans avoir besoin de convertible. Si vous voulez essayer ça chez vous. Et c'est tout. Le 308 est un stylo classique par Pen BBS, mais qui fonctionne très très bien. Le capuchon d'ailleurs peut se poser et ne déséquilibre pas du tout le stylo. À environ 30 dollars canadiens, ce qui fait environ presque 20 euros, c'est un très très bon stylo d'entrée de gamme si vous voulez essayer un modèle de chez Pen BBS. Comparons maintenant le Pen BBS 308 avec d'autres stylos. Le voici avec un Pilote métropolitain. Le voilà avec un Lamy Safari. Le voici avec un Platinum Plaisir. Et enfin le voici avec un autre Pen BBS, le Pen BBS 355. Et voilà maintenant ces stylos avec le capuchon posé. Voyons maintenant comment il écrit. Et voyons maintenant comment le Pen BBS 308 avec une jolie plume médium écrit. Donc nous sommes face à un Pen BBS 308 avec une finition neige et une plume médium. L'encre et bien entendu l'encre de chez Pélican Royal Blue, une de mes encres préférées. Comme vous le voyez, il écrit vraiment très bien ce stylo. C'est l'un de mes stylos Pen BBS préférés, l'une de mes plumes préférées, cette plume médium très très jolie. On est dans quelque chose de vraiment très doux. Très très peu de feedback. Quelque chose aussi avec cette encre Pélican d'ailleurs, très très mouillée, mais pas trop. On reste quand même dans du Pen BBS, mais c'est parmi les plumes les plus humides, les plus mouillées si vous voulez, avec un très bon flux d'encre. Au niveau des variations de ligne, on n'est pas dans quelque chose d'extraordinaire, mais on peut essayer quand même des choses. Voilà, c'est pas tant différent, mais bon. Et au niveau de l'écriture inversée,
Encore une fois, chez PMBBS, on est dans quelque chose de vraiment très cool. Comme vous pouvez le voir, on est passé à du extra extra fin et ça écrit très bien sans beaucoup de feedback. Et bien voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo chaque semaine. En attendant, je vous dis merci. Beaucoup. Et à la prochaine.